Cornelius, une entreprise familiale, fondée en 1981 par le père. Nous sommes sur un marché, c'est vrai qu'il est très concurrentiel, mais concurrentiel par les leaders à l'international pratiquement. Mais il faut dire que le seul pays où l'international n'est pas leader dans les cosmétiques, c'est bien en Algérie. C'est grâce à une équipe très compétente, soudée, une équipe de développement qui répond surtout aux besoins des consommateurs. Le challenge, on l'aime bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'entreprise qui a 40 ans d'existence, ce n'est pas fait par hasard. Mais surtout, c'est que nous arrivons à apporter des produits de qualité aux consommateurs. Ils savent que Venus, c'est des produits de qualité, c'est un label qui est reconnu. On arrive à avoir des prix très concurrentiels par rapport à nos concurrents. Le CMI, c'est un patronat qui est national, qui regroupe près de 1500 opérateurs économiques. J'ai été élu, ça fait 5 ans, donc je viens d'être élu pour un deuxième mandat. Le but, c'est de fédérer le maximum de personnes autour d'une seule idée, c'est pouvoir développer les entreprises en laps de temps. On vient de mettre en place une école de plasturgie qui n'existait pas et c'est la seule et unique école en Algérie qui va répondre à un besoin explicite. Ça sera un levier important pour tout ce qui est montage automobile et je dirais tout ce qui est autour du plastique. C'est comme ça qu'on a un peu réussi. En fin de compte, Venus est une grande famille. Donc c'est 700 collaborateurs qui travaillent en cohésion pour pouvoir un peu répondre aux gros besoins des consommateurs. Naissance de mon fils. Bosseur. Pas d'échecs, c'est des expériences. Moderne. La gagne. Ce ne sera plus un secret sinon.